ما هو همك أو ما هي همتك؟ Il a dit que celui dont le souci, la préoccupation est l'au-delà, et l'au-delà, l'au-delà. Allah Azza wa Jalla lui met sa richesse dans le cœur. Et ce monde-là, il va te venir vers toi. Bon gré, mal gré, ça va te venir. Allah, et celui dont ce monde-là, celui dont ce monde est sa seule préoccupation, ou bien c'est sa préoccupation, Allah lui met sa pauvreté devant lui. Il n'aura de ce monde que ce que Allah lui a décrété. Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Ma huwa hammuk. J'aimerais commencer par cette histoire, et comme je l'ai dit en arabe, Wallah, et que je ne suis venu ici que pour amour en Allah envers mes frères et envers mes sœurs, et non pas que en tant que donneur de leçons. Wallah, et mahabbatan fillah, et je vous aime en Allah. Et je ne suis pas venu pour ni juger, ni fouetter mes frères, c'est par amour en Allah. Ce que les musulmans sur cette terre aujourd'hui, pour ne parler que de notre société dans laquelle on vit, c'est qu'on s'est énormément éloigné de quoi donc ? De ce Coran qui a été révélé du haut de sept cieux, ainsi que de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il leur a dit, en parlant des Romains, « Nous, on fournit qui on boit de l'alcool. » Il parle des Romains, ce vieux sage, quand il s'est levé. Et eux, ils jeûnent la journée et prient la nuit. Ils accouraient vers le bien. Qui va faire le bien ? Omar disait, aujourd'hui, quand le prophète avait donné l'ordre, effectivement, de donner de leur aumône, Omar avait dit, aujourd'hui, je vais faire mieux qu'Abu Bakr. Mieux qu'Abu Bakr, radiallahu anhu. Wa uzakir ahibbati fillah, fa inna Abu Bakr, radiallahu anhu, khayru rajulin bi ijma'il umma ba'da al-anbiya'i, alayhi salatu wassalam. Comment ça se fait qu'on était parmi les meilleurs? On était les guides du monde. On n'a qu'à étudier l'histoire. On n'a qu'à l'étudier pour se dire que les musulmans étaient à l'apogée de ce monde-là. Mais parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Et celui qui oublie l'histoire devient amnésique, pense que les musulmans étaient toujours ce qu'ils étaient. Non, jamais. 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 Les musulmans étaient au sommet. Au sommet de la montagne. Qulu la Allahu maulana wa la maula lakum. Allahu maulana wa la maula lakum. Halillahu maulana. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Quand on voit l'Ummah devant les matchs de foot, quand on voit l'Ummah perdre son temps, quand on voit l'Ummah dans les bid'ah, dans les innovations, quand on voit l'Ummah ne pas se réveiller pour le fajr, quand on voit l'Ummah faire riba, quand on voit l'Ummah boire de l'alcool, quand on voit l'Ummah faire tout ce qui met Allah en colère, quelle protection vous voulez, chers frères, qu'on ait d'Allah Azza wa Jal? Il lève le drapeau et on lui coupe la main. On lui coupe la main. تقطع يده اليمنى ثم أخذ اللواء بيده اليسرى. Il a pris le drapeau avec la main gauche et on lui recoupe la main gauche. Qu'avec quoi le drapeau ne tombe pas? Non, jamais il ne tombera. وأخذه بالعضدين. Il l'a pris avec ce qui lui restait des mains. ثم لما أخذ ذلك اللواء بالعضدين أتاه مشرك من الروم أو كافر من الروم ثم طعنه في صدره. Et il l'a tué là avec une arme dans la poitrine. سقط جعفر إني أرى جعفر في الجنة يطير مع الملائكة بجناحين والله كانوا رجال والله كانوا رجال حنظلة رضي الله عنه venu de se marier, il est avec sa femme, avec son épouse était. Il s'est levé, il est parti pour se battre, il a voulu être derrière le prophète sallam dans la première rangée. Ils sont partis, ils se sont battus. ومات رضي الله عنه, il est mort رضي الله عنه. Et les compagnons ont vu de l'eau qui sort de lui. Allah a envoyé les anges du ciel avec l'eau du paradis pour qu'ils le lavent. لِكَيْ يَلْقَ اللَّهَ طَاهِرًا. Pour qu'ils rencontrent Allah Azza wa Jal pur et lavé. Haram radiallahu anhu, il a été envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse l'appeler à l'islam. Et ce traître-là, ce roi traître, avait voulu le trahir. Il avait demandé à quelqu'un qui était dans la salle derrière, s'appelait Jabbar. Il lui a dit, il lui a fait signe de le tuer. Et Jabbar, il prend une lance, il vise Haram, il la tire sur lui et lui transperce le dos, elle sort par devant. Et la première parole qui sort, il dit « Fustu wa Rabbil Kaaba » J'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba.